Ferrovia Québec, c'est 2000 collaborateurs présents sur 700 chantiers annuellement, environ 1000 km de route est effectué chaque année. Notre première priorité chez Ferrovia Québec, c'est la santé et sécurité. On met tout en œuvre pour amener nos travailleurs chez eux en pleine santé tous les soirs. Le problème des troubles musculo-squelettiques est majeur parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'accidents liés à des troubles musculo-squelettiques. Par exemple, en 2019, on a eu 51 accidents TMS. En 2020, on en a eu 31. Et à venir jusqu'à maintenant, en 2021, on en a eu 29. Donc, c'est significatif. On peut même dire qu'on a, dans les trois dernières années, cumulé 1048 journées perte de temps. Donc, nos travailleurs ont été en arrêt de travail pour une longue période. Donc, ça a un impact au plan professionnel, mais on sait également que les troubles musculo-squelettiques durent aussi dans la vie personnelle. Bien, c'est pas compliqué. Sur une équipe de 10-12 hommes, chaque année, on peut perdre 3 à 4 travailleurs pour une période différente. Ça a un impact sur le reste de l'équipe qui doit reprendre la charge de travail. Et en plus, on a des impacts sur les livrables des projets. Souvent, à cause des douleurs, les gens ne se présentent pas le lendemain. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui continuent, même avec le mal. Tu as beaucoup de risques d'aller chez le chiro, des blessures de tunnel carpien, des tendinites. Ça arrive souvent. Des blessures de dos, besoin d'aller chez le chiro, les nerfs coincés. Je pense que la culture de la construction, au niveau de la douleur, c'est que nos travailleurs pensent que c'est normal de ressentir de la douleur et surtout de l'endurer. Donc, moi, je pense que c'est pas normal puis ça devrait pas être le cas pour n'importe quel travailleur de la construction qui veut finir sa carrière en santé. En 2019, on a constaté qu'on avait beaucoup d'accidents de travail reliés aux troubles musculo-squelettiques sur les équipes de béton. On avait vu des vidéos et des discussions sur des exosquelettes. Par contre, tout ce qui nous semblait sur le marché n'était pas adapté à notre milieu de travail. Il y avait des moteurs, ainsi de suite, c'était assez encombrant. On s'est dirigé vers une PME montréalaise qui développait des exosquelettes légers. Et on a trouvé ça très intéressant. On a fait un partenariat avec la PME qui s'appelle BioLift. Et on a développé l'exosquelette avec eux suite à ça. Ce qui est très important chez Ferrovia Québec, c'est de toujours impliquer les travailleurs sur le terrain. Les meilleures idées viennent du terrain, mais encadrées par la direction et les équipes de BioLift. Et qu'on a fait différentes réunions en impliquant les travailleurs BioLift et on était présents, la direction, puis on a tout avancé le projet ensemble. L'exosquelette est très léger, il n'est pas encombrant, il n'a pas de batterie, un point majeur, et il s'adapte à toutes nos morphologies pour tous les hommes et femmes de nos équipes de béton. On a eu une première rencontre avec le président d'Eurovia Québec, en fait, puis c'est là où on a découvert tout le défi pour Eurovia au niveau de la santé et sécurité au travail. Il y a des défis au niveau des poignets, des épaules, du dos. Puis c'est là qu'on s'est dit qu'on pourrait développer une solution ensemble qui répond vraiment aux besoins de la construction parce qu'il n'y avait pas d'exosquelette, il n'y avait pas de solution vraiment faite pour leur milieu. L'exosquelette, c'est bien adapté à un milieu comme la construction parce que c'est un milieu où tout change tout le temps. Donc les chantiers ne sont jamais les mêmes, l'environnement n'est jamais le même, il peut pleuvoir, il peut faire chaud. Et l'exosquelette, c'était l'idée, c'est que c'est versatile parce qu'on le porte tout simplement, puis après on peut aller faire nos tâches. Donc, on n'est vraiment pas pris avec un gros système encombrant. Ça permet vraiment, là, tout simplement, de travailler. Bien, c'est sûr, quand on parle d'un exosquelette, la première idée que tu as en tête, c'est quelque chose de gros, d'encombrant, avec une batterie ou un mécanisme quelconque. Fait que je ne voyais pas comment ça pouvait être utile dans notre travail de tous les jours pour nos travailleurs. Bien, pour moi, l'approche de BioLift, ça a été vraiment intéressant. De pouvoir commencer par faire mettre des capteurs sur les travailleurs puis avoir des données réelles sur lesquelles se travailler. Donc, de voir c'était où les endroits les plus problématiques au niveau du dos, de pouvoir partir d'une base solide pour après ça faire une première itération de l'exosquelette. Et après la première version de l'exosquelette, on a fait des tests dans la cour avec celle-là. Puis on a récolté plusieurs commentaires des travailleurs pour pouvoir de plus en plus l'adapter. Ensuite, pouvoir l'essayer en chantier tout l'été sur des plus longues périodes, avoir les commentaires autant positifs que négatifs pour savoir c'était quoi les points à travailler. Oui, j'aime ça parce que quand que vous venez nous voir, on sent comme on veut l'améliorer tout le monde ensemble. Puis depuis le début chez Eurovia, il y a eu des progrès comme pour les blessures puis tout ça. Mais c'est bon ça. De fois en fois, on améliore des trucs, des connaissances. On n'en veut pas de blessure, c'est pas compliqué. Chaque travailleur veut s'en aller en pleine forme chez lui, là.
t'as pas le goût de t'en aller le soir puis de plus pouvoir rien faire parce que justement t'as mal dans les bras, dans les coudes ou dans le dos là, surtout. Là. À chaque fois qu'on essaye l'exosquelette, ça s'améliore de jour en jour. Moi, je suis pas mal sûr qu'au final, on va avoir un beau résultat de l'exosquelette. La conclusion qu'on fait aussi, c'est les travailleurs qui acceptent la douleur, usent leur physique, usent leur corps, puis à un moment donné, arrive un accident, à un moment donné, arrive une blessure. Puis c'est là où il faut faire quelque chose, mais en amont. Il faut être en mesure de travailler en prévention pour s'assurer que justement l'usure prématurée ne survienne pas puis que l'usure tout court ne survienne pas. Fait que si on travaille avec des exosquelettes, c'est là où on vient travailler en amont, on vient travailler en prévention puis on s'assure que les douleurs ou les blessures apparaissent juste jamais.